Comment puis-je divertir mon chien à la maison? Cherchez-vous des moyens amusants de vous divertir, vous et votre chien à la maison? Voici quelques idées créatives pour garder votre chien heureux et épanoui sans quitter la maison. Avec autant de restrictions sur ce que nous pouvons faire avec nos chiens, il est temps de faire preuve de créativité. Le comportementaliste animal Tony Shelbourne suggère des moyens de garder votre chien heureux et épanoui sans quitter la maison. Il y aura toujours quelques occasions dans la vie de votre chien quand il est enfermé à la maison, avec des occasions limitées de faire de l'exercice. Mais ce n'est pas forcément une perspective décourageante, même si vous avez un chien très énergique et occupé qui aime sortir et faire des choses. Que ce soit juste pour quelques jours, semaines ou plusieurs mois, vous pouvez faire beaucoup pour le garder occupé et vous trouverez peut-être tout aussi divertissant de concevoir de nouvelles activités et des défis à résoudre. Le saviez-vous? 20 minutes de travail sur les odeurs peuvent être tout aussi fatigantes que de lancer une balle pour que votre chien le poursuive pendant le même temps. Il y a aussi un autre avantage en ce que cela n'augmentera pas les niveaux d'adrénaline, ce qui l'excitera, mais aidera à le calmer et à produire un état de contentement. Top conseil! Mâcher et lécher peuvent être autocalmants. Alors donnez des choses qui offrent des opportunités pour cela, comme des tapis de friandises, des jouets qui peuvent être remplis de nourriture ou de garniture congelée, et des produits comestibles sûrs et durables. Le jeu de la coupe. 1. Trouvez des contenants appropriés, tels que des béchers de pique-nique incassables ou des pots de fleurs en plastique propre et vide ou des cartons de yaourt. Placez-les à l'envers avec une friandise savoureuse cachée sous chacun. 2. Demandez à votre chien de chercher les friandises. D'abord, vous devrez peut-être lui montrer ou l'aider à comprendre comment renverser les contenants pour atteindre les friandises. 3. Au fur et à mesure qu'il devient plus adepte, augmentez la difficulté en empilant les tasses avec des friandises dans chaque couche. 4. Essayez de les placer plus loin pour qu'ils doivent aussi bouger physiquement. C'est parfait pour les chiens très occupés. Continuez à remplir les pots et les tasses, vous le verrez ralentir en se fatiguant. Après 10 à 20 minutes de cette activité, de nombreux chiens sont épuisés. Top conseil! Si les tasses sont difficiles à renverser parce qu'elles glissent sur le sol lisse, essayez de les placer sur une serviette, une couverture, un tapis ou emmenez le jeu à l'extérieur pour jouer sur la pelouse. Assurez-vous toujours de surveiller les activités qui réduisent l'ennui de votre chien. Cache-cache. 1. Laissez votre chien dans une pièce pendant que vous vous rendez dans une autre. Placez-y son jouet préféré et revenez vers lui. 2. Demandez-lui d'aller chercher le jouet. Lui facilitez la tâche au début en le laissant bien en vue. Allez avec lui, alors vous le cherchez ensemble. Et faites des éloges et du plaisir quand il le découvre. Quand il le fait, faites une partie de remorqueur ou soyez simplement excité par son intelligence, ce qui permet de maintenir un niveau d'enthousiasme élevé. Au fur et à mesure qu'il commence à comprendre le jeu, rendez-le plus difficile en lui donnant moins d'aide et en rendant le jouet plus difficile à trouver. 3. S'il est plus une personne humaine qu'un accro au jouet, essayez de demander à un membre de la famille d'aller se cacher et de l'envoyer les trouver. Cela peut même devenir une compétence utile lorsque vous voulez inviter des gens pour le dîner. Top conseil! Si votre chien est un peu gourmand, qui pense que l'heure du dîner est la meilleure partie de la journée, ajoutez des points forts supplémentaires en ajoutant des repas supplémentaires. Cela ne signifie pas manger plus, mais simplement diviser sa ration quotidienne en 3, 4 ou même 5 petits repas répartis dans la journée. Le saviez-vous? Vous pouvez également prolonger l'expérience culinaire de votre chien en utilisant une mangeoire lente, Kong, ou un jouet qui distribue des friandises. Jeu boomerang. Ce jeu amusant, 2 en 1, combine la recherche de nourriture, parfum, avec un renforcement de votre appel, ce qui ne fait jamais de mal. Il améliore également la concentration et peut fournir un peu d'exercice rapide, sans avoir besoin de beaucoup d'espace ou de créer de surexcitation. 1. Faites voir à votre chien que vous avez une poignée de petites friandises vraiment savoureuses. Jetez-en une sur le sol à une courte distance en lui disant « Trouve !»
2. Attendez qu'il ait trouvé et mangé. Puis encouragez-le à revenir vers vous, en le récompensant avec une autre friandise et une éloge. 3. Répétez ceci jusqu'à ce qu'il commence à vous revenir assez rapidement. À ce stade, évitez de donner une friandise chaque fois qu'il revient vers vous. Revenir devient la récompense à la place. Car chaque fois qu'il le fait, le jeu recommence et vous lancez une autre friandise à chasser et à rechercher. 4. Gardez le jeu en mouvement et à mesure qu'il s'améliore, lancez les friandises à différentes distances, à la fois plus courtes et plus longues, ainsi que dans des directions différentes tout autour de vous. Tout emballé. Ce jeu ne pourrait pas être plus simple. Placez une friandise savoureuse sur une extrémité d'une serviette et roulez-la comme un rouleau suisse. Pour commencer, vous devrez peut-être aider votre chien à apprendre à le dérouler à l'aide de ses pattes ou de son nez. L'ajout d'une gâterie ou deux dans chacun des rouleaux l'encouragera pendant qu'il apprend. Top conseil ! Dirigez les instincts naturels de votre chien. L'odeur et la recherche de nourriture sont des activités extrêmement satisfaisantes pour les chiens, qui peuvent également être apaisantes. Suivez le guide. Disperser de la nourriture sur une zone de pelouse peut être amusant pour votre chien, mais produit souvent l'effet opposé à celui que vous voulez, l'encourageant à se précipiter et augmentant plutôt que calmant les niveaux d'activité. Essayez cette alternative qui est aussi bonne à l'intérieur qu'à l'extérieur dans le jardin. 1. Prenez une poignée de petites friandises ou un mélange de croquettes et d'aliments plus doux. Se promener en cachant chaque morceau à différents endroits. Au début, votre chien sera juste derrière vous, les mangeant immédiatement. Mais progressivement, vous commencerez à prendre de l'avance, surtout si vous pouvez vous rendre dans une pièce devant lui et en cacher quelques-uns avant qu'il n'entre. 2. Essayez d'utiliser une grande surface et placez les friandises à différents niveaux. En faisant cela lentement, votre chien sera plus attentif et mesuré dans ses actions que si vous dispersez simplement de la nourriture. Le jeu fait toujours appel à ses instincts naturels de recherche d'odeur et de recherche de nourriture, mais sans la poussée d'adrénaline. Coffre au trésor. Une boîte au trésor est un jeu formidable. C'est un jeu d'enrichissement bon marché, facile et durable que la plupart des chiens adorent. 1. Conservez les boîtes de mouchoirs vides, les cartons d'œufs, les céréales et autres boîtes de nourriture, ainsi que les tubes en carton intérieur des rouleaux d'essuie-tout et de toilette. Vous pouvez également économiser du papier d'emballage ordinaire ou comme alternative, utiliser des serviettes à la place. 2. Rassemblez beaucoup de friandises, de jouets et de produits à mâcher, petits et grands, avec différents niveaux de saveur. Cachez la nourriture, qui peut faire partie ou tout du dîner de votre chien, dans des boîtes et enveloppez-la de façon lâche dans les morceaux de papier ou les serviettes. Placez ces friandises dans une autre boîte suffisamment grande pour les contenir toutes et d'une taille appropriée pour votre chien. Ajoutez une ou deux mâchoires et quelques jouets préférés. 3. Placez la boîte à un endroit où vous pouvez voir et superviser, mais laissez votre chien s'en occuper. Il faudra beaucoup de temps pour trouver tous les trésors et les consommer ou jouer avec tout cela. S'il le termine trop rapidement, vous avez évidemment un génie entre les mains. Alors essayez de rendre les énigmes plus difficiles. Top conseil. Variez les choses que vous mettez à l'intérieur pour que certaines soient faciles à chercher et à manger rapidement. Et d'autres prennent plus de temps comme les mâchoires et un conque farci.